À présent, tout le monde sait qu'un projet classifié de la CIA a provoqué la tragédie qui a fait 300 000 victimes. Est-ce que tu me crois maintenant quand je dis que Kane nous cache des choses? Et tu penses qu'elle ne nous a pas tout dit? Je pense que Taylor est tombé sur un truc qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Ce qui fait de lui l'homme à abattre. Peut-être bien. Mais Kane est avec nous. On peut pas la laisser à ces sauvages. L'accord Winslow est en plein naufrage. On doit trouver Taylor avant que ça empire. Si on va pas chercher Kane, personne ne le fera. Elle est maligne. Elle survivra. Au moins jusqu'à ce qu'on arrive. Ok, donc l'idée c'est que l'accident de train qu'on a vu au début, ce serait la CIA qui l'a fait. Non. Quoi? Bah, moi j'ai compris ça. Ah, t'as rien compris. Non, l'accident qui parle, c'est l'explosion qu'il y a eu à Singapour. Oui, voilà. C'est la mission qu'on a été avant. Parce que tout était détruit. Kane, on est vers un mur d'enceinte. Je on crois quitte la zone de quarantaine. Je vous ai dit de pas venir me chercher. Vous réjouissez pas trop. On n'est pas encore là. Eh bien, quel est votre statut? La base est encore sécurisée? Pour l'instant. D'après les vidéos de surveillance, les immortels sont plus très loin. Et ils détruisent tout sur leur passage. Ouais. Sans blague. On sera là dès que possible. D'ici là, tenez bon. Pour être honnête, je suis pas sûr qu'on puisse sauver Kane. Ces enfoirés plaisantent pas. Ouais, nous non plus. Et on partira pas de Singapour sans elle. Mode de silencieux. Pignata! Pignata! J'aime beaucoup l'ambiance. Ah, moi aussi. Et en plus, je suis content parce que j'ai le set avec le camouflage. Il reste sûrement des immortels dans le coin. Ah oui, avec le... Faut qu'on s'éloigne de la rue. Ouais, alors... j'ai le camouflage amélioré, donc... Alors, YouTube, je alors, m'excuse... Le truc, il est derrière, par contre. D'accord. Fini de parler. Non, mon micro est allumé, hein, donc vous me coupez sciemment. Ça va se venger plus tard. C'est promis. Oui. il faut aller où, hein? De tout, ici, ça. Là où je suis, Mike. Moi, je suis... Il y a le belge qui sautille. Ouais, si. Donc, avant d'être coupé par Renard comme un malpropre, j'allais dire que j'avais loupé un item dans la mission d'avant parce que mes coéquipiers sont nuls. Voilà. C'est vrai que c'est la faute des coéquipiers? Parce que t'as pas suivi quand on l'a dit, surtout. Alors toi, vu qu'on t'a attendu à peu près 2 heures... 3. Je pense que tu peux la faire. 3 heures? Non, pas 3 heures. J'ai passé 3 heures au tel, oui. Pas 3, Mike. Hein? Ouais, ouais, j'ai eu le temps de faire le ménage dans toute la maison. Oh là là, bon bah Jake. Attends, discret ça, monsieur. J'ai même pas tiré une balle. J'ai eu un feu d'arbre. C'est bon. Après ce qu'on a fait à son frère, Gok Xiulan est folle de rage. Ses soldats seront sans pitié, avec tout le monde. Et quand on la trouvera, on sera sans pitié. Arrête de tirer. Aussi. Silencieux. C'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas sans faisons ce qu'on fait de mieux. Wow. Buter des méchants. Comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Oh, tu nous balances une petite grenade là-dedans. Oh non, c'est différent, tu vois. Fais la volonté. Silent ou pas, on s'en fout ici, pour l'instant. Voilà. Ah, j'aime beaucoup le bruit du silencieux avec ce fusil. Moi, ça fait pip 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 pip. Oui, j'entends ça. Tu sais, quand on aura sauvé les miches de Kane, voilà. Taylor et les autres seront déjà loin. Voilà ce qui se passe, Hendrix. D'abord Kane et ensuite Taylor. On n'abandonne pas les nôtres. Je n'ai toujours t'es pas. T'es sûr que filmé, Kane est des nôtres? Un jeu solo. Je sais c'est que vous attendez le 13. Je me souviens même plus lequel tu devais en plus. D'accord, non mais très bien. Non, mais très bien, Renard, tu me le payes et je le fais en vidéo. C'est mal. Ah non, je te le paye pas, je me souviens de me le payer. Ah bah voilà. Non mais non, mais tirez. Mais c'est trop nul ce jeu. On peut pas le sauver le mec. Oh, c'est non. Red Dead 2, c'est mieux, tu peux le faire.
Ouais, alors Red Dead 2, il y a beaucoup de défauts, mais visiblement, ça les gens ont décidé de passer outre. Non, mais les gens sont pas là, le jeu. Ça me dit rien. Non, je l'ai. Ne tirez pas, donc planquez-vous. Faut pas tirer ? Non, de toute façon. J'ai pas la touche. Mais arrête de sauter, toi, Jake. Mais non, mais j'ai bon, j'ai activé la bonne touche. Je sais pas comment me mettre un coupi, je vais seulement allonger. Donc... C'est. Ça semble pas tirer. Ah, merci. Ça doit bien défoncer la c'est gueule. C'est ici qu'on doit être en mode discret ? Tu comprends pas. Eh, hey, mais. Taylor. Mais qu'est-ce que tu fous, putain ? J'ai dit la vérité. Derrière sa belle façade, la CIA a fait des expériences illégales sur des êtres humains. Des expériences qui un jour se retourneraient contre eux et provoqueraient la mort de centaines de milliers de personnes et la souffrance de plus encore. Alors dis-moi, qui est le méchant dans l'histoire ? Ceux qui ont survécu à une catastrophe survenue juste devant leur porte ? Ou les enfoirés en costard qui ont tenté de l'étouffer ? Pendant que le monde laissait les immortels mourir sans rien faire, ils ont bâti une société qui n'est pas parfaite. Peut-être qu'en fait, ils veulent se venger. Peut-être qu'ils veulent la justice. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas nier que leur colère est... justifiée. Taylor ! Taylor ! Kane, Taylor vient de pirater notre système de communication. Kane ! Elle ne répond plus. Il est peut-être déjà trop tard. Si les immortels entrent dans la base, Kane est perdu. Grimpe là-haut, trouve-moi un passage. J'espère que t'as raison à son sujet. J'ai envie de cartonner. Je monte. Non mais alors je réagissais surtout parce que les TP. Les TP me paraissent un peu violents dans la mission. Attends voir, je peux me mettre en furtif et essayer de descendre un peu. Personne te regarde. Chichi chez moi. D'accord, attends. Il est où ce sniper de ses morts? Ah, j'ai une vision sur le sniper ennemi. Oh, j'ai été TP. Oh. Hey, je vais réapparaître à l'étage. Voleur. Oh, ça va mal se passer cette histoire. J'en ai eu un, c'est bon. C'est bon, ils se remettent en position. C'est qui se fait gauler là? Pas moi. Personne. On va essayer de protéger les civils. Oh merde, j'ai été gaulé. C'est rien. Fait d'armes accomplies, l'œil dans le ciel. C'est moi qui a détruit tous les 4 drones en moins de 2 secondes, je crois. Oh, bon. L'avantage c'est que je peux repasser en furtif et j'ai eu un sniper. Aïe. Là il y a Isaac Asimov qui est blessé. Derrière. Regarde derrière toi. Bon oh, attends. J'ai eu. Voilà, donc j'ai servi à rien en tant que sniper. Bravo. Bah moi j'avais même pas compris que j'avais un sniper en fait. Excusez-le. Ah bah là autiste oui. Oh vieux. Ah oui, alors en fait, j'ai tellement essayé de faire en sorte que le jeu ait un bon framerate qu'au niveau de la lumière, ça déconne complètement. Enfin, les visages clignotent et des fois, je vois des explosions à travers les murs. Ah merde. Du coup, YouTube, j'espère que tu es content de cette expérience sur la bêta jouable de Black Ops 3. Je vous attends. Faut monter. Allez. On a rien loupé, Renard ? Oh ! Qui a fait ça ? Je viens de me prendre une grenade. Je viens de me prendre une grenade. Qui c'est qui vient de me balancer une grenade ? Ah, pas moi. J'arrive, espèce d'enculé. T'es où ? On continuera pas tant que je t'ai pas trouvé. Hein. Ah, adieu. Renard. Renard. Ah. Renard, on t'entendait plus, c'est ça ? Ah, Renard, qui a le micro qui déconne encore. Non, non, c'est pas ça, c'est que j'ai quitté le Discord parce que je vous entendais plus. D'accord. Ah, bah, c'est original, bon, bah, pour le coup, c'est pas moi qui ai eu le problème de co. J'ai pris une grenade, tout le monde est témoin. Allez, invisible. Fait d'armes accomplies, invisible. Mon cul. J'ai sûrement tué. Assez rapidement, ouais, mais. Ouais. Oh putain, la TP en avant là. Merci. Bon, essayons d'être discret. Où un robot ? Tirez pas. Ah. Et si on tire, il se passe quoi ? Ouais, t'as ton tour silencieux, donc ça va. Moi j'ai envie de faire. Ah bah, il est parti. Ah, y'a un truc en haut. On a toujours le sniper normalement, s'il vous reste des balles. Merde. C'est pire qu'un congrès des immortels ici. Facile, t'attends que personne te regarde. Je te couvre par en dessus. Ah, voleur. Fais accompli ninja. Ninja aussi.
Ouais, j'ai eu peur qu'on se soit fait repérer. Au revoir, je vais descendre. Essaie de rester dans l'ombre. Je suis dans l'ombre. Je vois beaucoup d'immortels en bas. Vas-y, pas sur ça. Plutôt que ceux qui sont. Je sais pas, moi je suis sur le toit. Gros signalement ici. Ouais, je vois ça. Par là-bas aussi, au niveau de la cour. Putain. Je recharge là, mais si vous voulez vous occuper de ce du toit. Feu à volonté. Ah. On est repéré. Faut qu'on se connecte. Encore un magnifique boulot de sniper. Faut qu'on atteigne les bureaux, droit devant. Je m'auto-van. Mais ni toi ? D'où tu me touches, toi ? Attention, la vache, je te cours. Je fais tout péter. Attention, il y a du monde. Vas-y, moi, pour l'instant, il n'y en a aucun qui est sur moi. Hein. Putain. Là, je vois ça. Arrêtez de bouger les drones, arrête. Ah non, mais là, c'est le fin rite. Au-dessus, le belge. Mais ça me saoule parce que pour tout la gestion merdique derrière du jeu, le jeu a tellement de bonnes idées, c'est tellement un Call of Duty qui est plaisant à jouer, ça me saoule. Après tu t'amuseras avec des vaisseaux spatiaux. Ah non, c'est vrai. C'est une finie pour faire ça, non? C'est une finie pour. Oh, je n'avais pas vu les robots à côté de moi. Je sais pas qui a balancé une grenade, mais merci. De rien. Merci le belge. Tu es vraiment le seul en qui je peux avoir confiance dans cette équipe. Donc c'est pour ça que tu vas me trahir, Armand. C'est normal, c'est ta banque. Ah non, la banque elle me refuse un prêt de 25€. Oh bah dis donc, Renard il est à terre, hein, non, non. Bah ouais, parce que j'adore avoir les décos sans arrêt là. Ah mais chacun son tour, j'ai envie de c'est bon, je sauve le médecin du groupe. Attaque aérienne, ouh. Ah. J'ai vu Hendrix, je le poursuis, il est méchant. Ah. Oh putain, on peut pas le prendre. Donne-moi le canon! Ok, bon, on avance. Je pense que ça va être à toi d'accélérer. Oui, il est dans le coin là. Tututum. On peut voir un truc qui. Il est dans le coin là, normalement. Ici. Ah ouais, là aussi. Une plante. Une bioluminescente. Hi Jack. Oui. Objet. Ça du coup, excusez-moi, j'étais occupé par autre chose. Vous êtes où? Si t'as tes yeux bioniques de connecter, tu peux nous voir. Avec le 1 3. Avec le 3. Avec le 3. Ah oui, je vous vois. Allez. Il faut aller au-dessus, c'est ça? Non, là où je suis moi. Là où t'es toi, t'es où toi? Parce que le belge il est là. Pas trop fun de sniper. Hein, attends, de ce sniper, toi là. T'es là, je te vois pas, Renard. Là, oui, je te vois, je te vois. J'aime fan, bien hein. Cette vision. Dans les hautes herbes ici. Ouais, t'as mis un casque le belge. Yes. Oui. Je suis habillé en égyptien droit. Et moi normalement je suis habillé en pélo de la campagne. Ouais. Vu qu'il y a pas mal de trucs qui volent ici, je vais prendre. J'ai reproduit mon Warfare à nouveau là. Un robot en contrôle. Et là la voiture explose, on recommence tout. Blindé. Ah oui. Non mais. C'était ma porte là. T'es sûr que tu veux pas laisser tomber? Oh, pas question, Hendrix. On ne quittera pas Saint-Gabon sans elle. Pareil. Oh, soutien. Attends, ils sont entrés dans la base. Pas le choix. Bien sûr. Je me replie dans la pièce sécurisée. Activation du code noir. Code noir. Code raciste activé. Vous avez pas entendu ce qu'a dit Taylor? Il vous a contacté? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Taylor vous a dit? On n'a pas un code couleur, on a un code des noms de la team sec en fonction de la situation. On a encore perdu le contact. Situation de racisme extrême. Code hijack. Y'a autre chose. Quand c'est une situation de crise financière, code renard. J'ai juré non, ouais, mais c'est plutôt le belge. Le belge. Ces derniers temps, c'est plutôt toi. Oh, tout de suite. Malades. Vous leur avez tourné le dos. Vous voulez la fibre, monsieur? Vous les avez oubliés. Aujourd'hui, les enfants de votre apocalypse vont se venger de ceux qui les ont regardés mourir sans rien faire. Vous récoltez ce que vous avez semé. Coxulan? Comment? Hein? Je lui ai donné accès à notre système de communication. Taylor, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? La décision, la responsabilité, repose toujours sur une personne.
Je veux la trouver. Pourquoi? Parce que je dois savoir jusqu'où va ce trou noir. Je récupère des gars à l'étage. Pareil. J'enclenche le truc. Ah. Tension à gauche. Bon bah... C'est une technique pour nous donner un avantage sur les snipers. Grenade. Putain, pas dans des tirs à cause de ces arbres là. Je suis tellement en mode je tire 3 balles. Or qu'une, ça suffit. Enfin, quand j'arrive à viser, à cause. Pour qu'on se débarrasse des autres. Ah, ouais, chasse au sniper. Oh, c'est quand même magnifique, hein. Théoriquement, je devrais être deux fois plus apte à m'énerver aujourd'hui. Mais. On est pas là. Ah. Et c'est la théorie du ça s'annule. C'est tellement de piñata là. Mais là regardez, ça c'est des mauvaises piñatas parce qu'elles ne bougent pas. Oh putain, merde. Avec moi. Au moins dans World of Warcraft, la piñata elle bougeait. Stop. T'as entendu? Ah, je pense qu'on a un... ASP, à couvert. Attire son attention. Bonjour monsieur. Oui, on s'enquête. What? Des 54 y arrivent par le parking. Alors, j'ai ramassé le lance-roquette. Ah oui, mais parce qu'il y a le truc en dessous qui dédie les tirs. Continue de tirer. Voilà. Vous voyez. Lance-roquette dès que ses défenses sont désactivées. Il nous faut du lourd pour l'éliminer. Je l'attire. Oh, regarde avec son lance-roquette. Le truc avance encore. En bas, je peux pas bouger, hein. Il est sur moi. Ses défenses sont désactivées. Voilà. Lance-lui un truc costaud. J'ai pas de missile, j'ai remplacé un autre missile, il est pas. Bah là où je suis, t'as de l'armée. Ouais, ça va, il va bientôt crever là, je pense. J'entends pas ce que tu dis, renard, c'est Vietnam. Je le bouge. Ah, c'est bon, c'est bon, là, il est mort. Je crois que c'est bon, il a l'air HS. Putain, le petit combo silencieux camo. Taylor a merdé, il a compromis notre système de communication. C'est pas que dans certaines missions. Ah mais dans celle-là, c'est royal. Qui nous parle? Rentrer à l'intérieur et c'est à gauche. À gauche. T'avais un petit cul, renard. Quand t'as essayé de sauter par-dessus la patte du robot mais qu'il y a un mur invisible. Ouais, j'ai vu ça. Un petit drone. Non parce que... C'est moche. C'est tellement moche. À la dernière mission, j'ai compris que les armes spéciales c'est la touche 4. La dernière mission, ça va changer d'arme. Mais là, en fait, il est resté bloqué sur sniper malgré que j'ai ramassé. Prends le contrôle d'un truc. Je passe en mode camo et je fais le tour. Ah, c'est une tourelle explosive que j'ai. Voilà, quelques ennemis en moins. Vachement résistant. Tiens, prenez des petites grenades à la thermite. Vous occupez pas des, de la tourelle hein, que je contrôle, hein, s'il vous plaît. Merci. T'inquiète, moi je suis passé en camo, je les prends, bah, je les prends à revers. Ok, bah moi je suis en hauteur. Ouais. Crève, c'est sur moi aussi. Allez, des trucs. Allez, petit camo. Chef de guerre. Il y aura deux robots qui nous attendent, hein. Je préviens tout de suite. Ok, avec ça, il y a des drones aussi. Oui. Ne vous occupez pas des trucs qui volent, s'il vous plaît. Ok. On a d'autres choses sur le dos, alors, Renard. Ah bah là, vous pouvez vous en occuper. J'attire l'attention d'un des robots. Je suis coincé, il faut aller aider Hijack. J'essaie de reculer un peu. Ok, parce que moi je suis vraiment ennemi. Ah, je crois que je suis mort. Ouais, je suis mort. Ah. J'ai détruit le robot. Je m'occupe des petits trucs qui volent avec ma tourelle. Au moins dans celui-là t'as le principe de réapparition, enfin ça permet de pas trop faire chier. Ils ont pensé à ceux qui voulaient enregistrer ce jeu. C'est mort. Déjà qu'il est chiant à jouer tout court. Mais putain, mais comment tu t'es retrouvé en haut toi? Mais c'est parce que je contrôle une toile. Ah oui, pardon. Ah du coup, ça t'affiche que t'es là en fait. Ouais. C'est ça. Si je la quitte... Oh merde. Bah j'ai été quitté de force. Ok, c'est et maintenant script. Maintenant on retrouve Kane. Merde! Je suppose que la mission est terminée. Trouve-nous un véhicule pour l'extraction, Hendrix. Tu te fous de moi, c'est ça? Elle a cramé! Il y a encore une chance. Hé! Hey, tu m'écoutes? Elle est morte! C'est comme ça! Oh.
Ah bah, le feu il s'est rapidement levé. Hein. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle ne vous parlera plus. Maintenant, elle est bien sage. Vous verrez. Je suis pas de grenade. Je recharge. Évite de passer devant moi. Et encore. Je change de truc à pirater. En crâne, c'est pas mal ça. Que Dieu bénisse les balles blindées. Quoi que tu veuilles faire, fais-le vite. Le bâtiment est en train de s'effondrer. Gauche. Ah, il lui monte. Oula! Grenadienne! Bien, bien, bien. Ce problème de son, il n'y a pas suffisamment de balles. Petit Steels! Merde! Est-ce que tu m'écoutes? Reste tout t'es, Hendrix! C'est pas encore fini! Est-ce que tu m'entends? Ouais, je l'ai vu, ouais. Est-ce que tu. C'est là-bas ce qu'on était avant. Tu l'as récupéré, Mike? Non. Oui, dans la poche. C'est le dernier en plus. Go! C'était notre ancienne base, ça. T'es pire. Ouais. J'ai des QTE, je vous fais confiance. Quelqu'un veut une petite grillade? Aujourd'hui, chez moi. Quelque chose à dire, Hendrix? C'est moi ou. T'as plein de sang sur toi?